C'est un derby, donc on sait que ce que ça représente pour le club, pour les supporters, pour nous aussi. C'est un match contre une bonne équipe qui a un point de plus que nous. Donc c'est un match après une défaite qui a été difficile à digérer. Donc voilà, c'est des matchs intéressants. Après, c'est des matchs aussi en semaine. Donc, il y a beaucoup de choses. Et bon, on n'a pas. Dans les matchs précédents, on les a pas abordés avec suffisance. Et bon, là encore, il faudra faire preuve d'humilité, de détermination. Et puis après, bon, c'est un match de foot. C'est des matchs qui sont intéressants. Quelle revanche ! C'est un match de foot. Je suis entraîneur du FC Nantes. Voilà, donc je suis au service du FC Nantes et je fais tout pour que ça se passe du mieux possible au FC Nantes. Bon, pour le moment, à vrai dire, on a eu à digérer la défaite de Strasbourg qui a été difficile à encaisser. Bon, voilà, c'était surtout le fond et la forme. Et donc après, maintenant, on se projette sur ce match-là avec la volonté de bien faire, évidemment. Oui. Après, bon, je pense que c'est... On sait que l'engouement que draine ce match-là pour le public, donc c'est ça qui donne des matchs particuliers. Et nous techniciens, on est un peu déconnectés, on est dans le match, on est en préparation du match, donc on n'a pas moi je vais pas sur les réseaux sociaux, je vais pas aller ça parle peut-être du match, et puis bon, je sais qu'au niveau du club, ça il y a un attrait particulier, mais c'est tout. Et puis surtout, nous, il y a 3 points, et quel que soit le match, que ce soit contre Rennes ou contre Lyon, il y a 3 points en jeu. Donc ce qui nous intéresse, c'est quand même d'avancer. C'est ce que je dis, c'est un match de foot. Après, il y a les rapports de force, il y a une bonne équipe en face, il faudra qu'on soit meilleur qu'eux. Et quelquefois, c'est pas le meilleur qui gagne. Enfin, il y en a plus de chances en étant bon en tant meilleur que de le gagner, et puis voilà, c'est aussi simple que ça. En général, il faut être meilleur collectivement pour gagner, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, je perçois le foot comme le résultat est la conséquence du jeu, et notamment du jeu collectif, et de la solidarité d'un groupe aussi. Donc, même s'il y a des événements après, qui viennent changer le cours du match, comme j'ai dit. Donc, voilà. En tout cas, se polariser sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on doit faire, et puis après, après jouer avec la détermination, avec la motivation qui peut-être dans un match comme celui-là doit être encore... décuplé, mais bon, je pense que les matchs précédents aussi, on devait être au taquet, hein, à ce niveau-là. On n'est pas, c'est le début de saison, il fallait qu'on soit à 100% pour faire un résultat. Ça a été le cas dans les matchs précédents.